La douleur, un message à écouter. Lorsqu'une région du corps devient douloureuse, nous nous sentons dérangés par cet intrus qui sonne à la porte sans y avoir été invités. Par la force des choses, nous essayons de comprendre ce qui se passe. Nous allons alors chez le docteur pour éliminer ce dysfonctionnement gênant. Plus vite le mal est dissipé, plus vite notre état de satisfaction peut revenir à sa qualité antérieure, comme le reset qui ramène l'ordinateur à son état initial. Quand le message du corps n'est pas considéré, on devient un fidèle adepte de la pilule miracle, celle qui efface ce qui dérange et remet les pendules à l'heure. Le médicament vient ici offrir son aide séduisante. Mais l'expérience montre qu'il n'est souvent que palliatif, masquant le symptôme sans en annihiler la cause. Ainsi, malgré le bon usage de ces drogues licites diverses, le corps continue à être récalcitrant. La douleur dérangeante ne cède pas, voire se renforce. Par la force des choses, on va devoir regarder de plus près, comme par dépit, on soulève le capot de la voiture en panne au bord de la route. Cette observation est quelque peu forcée et se fait dans l'idée de trouver le plus vite possible un remède qui éliminera le symptôme gênant. L'écoute, une porte vers la compréhension. Nous pouvons constater, dans tout ce déroulement que nous connaissons très bien, que l'écoute est inexistante ou qu'il n'y a quasiment pas d'écoute. En fait, nous ne savons tout simplement pas bien écouter. Nous savons très bien réfléchir, penser, interpréter, analyser, déduire, mais écouter ou écouter le corps, non. Avez-vous noté que lorsqu'on est en face d'une personne malentendante, naturellement, on élève la voix? Et aussi, lorsqu'on est face à une personne qui ne veut pas comprendre ce qu'on lui dit et que la colère monte, ou bien lorsque notre acuité auditive baisse. On doit donc élever la voix quand on est face à un sourd, ou qu'on devient sourd soi-même. Il en est de même avec le corps. Le corps parle à sa manière et doit parfois crier pour qu'on l'entende. Le cri, c'est en général la douleur. Le plaisir et la jouissance sont aussi des cris, direz-vous, mais des cris auxquels on s'attache plus tôt et qui sont donc plus encouragés que repoussés. La douleur, elle, fait office d'épouvantail. Elle chasse les pensées et appelle à elle l'attention du promeneur mental distrait par ses pensées. Nous découvrons ainsi que pour faire connaissance avec ce grand inconnu, l'écoute est le seul outil qui nous est proposé. En tout cas, le seul outil qui peut nous faire comprendre les choses par notre expérience propre et non par celle des autres.